l'ennemi des temps, un homme s'est dressé contre le mal. Jimmy Tungsten contre les censures radioactives. Waouh, ça a l'air trop bien. Je suis dégoûté de pas pouvoir y aller. Ben, pourquoi tu vas pas? T'as le droit si t'es accompagné. C'est interdit quand on est tout seul, c'est tout. T'as qu'à demander à tes parents. Ben, ils voudront jamais. Déjà, pour le panda vampire, ils ont dit non. Ils veulent toujours m'emmener voir des histoires avec des animaux tout mignons. Berk, c'est plus de mon âge. De toute façon, dans 6 mois, ça passe à la télé. On pourra le voir, le film. 6 mois? Pff, c'est long. Je vais le voir maintenant, moi. J'en ai marre de devoir attendre tout le temps. Faut demander à quelqu'un d'autre de t'accompagner. Quelqu'un de sympa, qui aime bien les films d'horreur à base de sangsue. Ou bien, quelqu'un de facile à embobiner. Mamie? Oui, mon chéri. Oh, tu sais, c'est très gentil d'avoir préféré passer la journée avec moi au lieu d'aller jouer avec tes copains dehors. Ben, justement, je voulais te demander un truc. Est-ce qu'on pourrait aller... Tu veux m'accompagner chez le coiffeur? Oh, qu'on aille ensuite dire bonjour à Simone dans sa boutique de chansons en retin? Mais... T'en fais pas, on ira aussi au parc faire du toboggan, je sais que t'en raffoles. Mais, et le cinéma? Ah, je sais pas si on aura le temps de tout faire, mon chéri. Faut choisir, hein. Je me suis pas fait un peu rouler, là. Allez, Raymond, t'en meurs d'envie, fonce. Oh, n'aie pas peur. Mamie, je t'assure... Bon, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Waouh, quel frisson. Gwendoline, quel plaisir de vous voir. Oh, bonjour Janine. Oui, un petit tour au parc, ça fait prendre l'air et puis ça fait tellement plaisir à y voir. Bah Raymond, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est allé super vite. J'ai demandé un truc à ma grand-mère et puis d'un coup, je me suis retrouvé dans une boutique de chaussons en rotin et puis sur un toboggan. Moi, pareil. On se méfie pas assez de nos grand-mères. Elles ont l'air toutes tranquilles comme ça, mais au final, c'est toujours elles qui décident. Tu m'étonnes. Toi aussi, elle a l'impression que t'as toujours 3 ans. Mais ça, c'est... Il raconte tellement de bêtises à la télévision aujourd'hui. Dis, on va au cinéma après. Tu penses que tu peux venir avec nous? Alors à ce moment-là, je dis au boulanger, bah oui, donnez-moi un bâtard comme d'habitude. Tu es sûr que c'est pour les enfants? Ah oui, oui, sûr à 100%. Ah oui, 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 c'est très bien, tout le monde en parle. C'est Jim Travolton qui rencontre des sangsues. Ouais, sauf que c'est des sangsues radioactives. Ouais. Ouais, ouais, enfin, c'est un film animalier, quoi. Eh bien, soit bon coup, comme disent les jeunes de votre âge. Allez, je vais prendre les places. Bonjour, mademoiselle. Si vous aviez bien l'amabilité de me fournir 2 tickets pour ce film... Comment il s'appelle là? Vous savez, c'est ce film pour enfants avec des animaux. Ah, c'est cool. Je suis trop contente de voir ce film avec toi, mamie. Moi aussi, Raymond, je suis très contente. Hé, hey, il y a Marcello. T'as vu Yvon? On est tous ensemble. Ah, vous êtes là aussi? Tu vas voir, c'est génial. Moi, c'est la 2e fois que je le vois. Sérieux? Ah, me raconte pas, me raconte pas. Bizarre le film. Ouais, c'est le début, ça veut rien dire. Que la nature est majestueuse. Bonjour mon air. Bonjour frère des champs. La vie est tellement. Non, je vais écrire au fan club. Il y a un problème. C'est une arnaque ce truc. Jimmy va finir par se pointer, c'est sûr. Hey Jimmy, viens par ici. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Ah bah enfin, ça démarre. Je m'appelle Jimmy. Je suis le meilleur chasseur de gerbilles du canton. Hey, il a pris un coup de vieux Travolton. Ben, ça doit faire partie du scénario. Alors, ça vous plaît les copains? Ça met un peu de temps à décoller, je trouve, non? Tu vas voir, après c'est génial. Après? Mais ça fait 1 heure déjà. C'est quoi ce film? Bah, c'est Camille la gerbille. Tu vas voir, c'est dingue ce qui lui arrive. Dingue? Tu veux dire quand elle rencontre les censures radioactives? Non, pourquoi? Mamie, quand tu as pris les places, tu as dit pour quel film c'était. C'était bien les censures, hein? Oui, oui, enfin je crois. Il me semble qu'elle a mentionné une histoire de gerbille. Oh, qu'elles sont choupinous, tu trouves pas? Oh non, le cauchemar! Je suis enfermée dans le noir avec des gerbilles choupinous. Enfin, Yvon, dis quelque chose! Viens, on s'en va! Attention, c'est là que ça se corse! Regarde par terre, Jimmy! Ce sont les traces de pas d'une gerbille! Je me demande où elles sont passées! Pff, elles sont sous les feuilles, Toka! Là, je vois un museau qui brille! Attrape-la, Felipe! Sauve-toi, Pitounet!
Ah, bah enfin, il se passe un truc. C'est des dingues, je te dis. Tu ne reverras jamais tes petits boules de poils. Là où tu iras, personne ne t'attendra. Ça va aller. Oui, oui. C'est juste la poussière dans la salle, ça me pique les yeux, c'est tout. Maintenant, c'est la fin pour toi, petite gerbille. Prépare-toi à souffrir. Attends, il va lui faire quoi, ce malade? Elle m'a mordu la main sans arrêt de sol. Vite, elle s'enfuit. Ouais, c'est ça, cours. Sauve-toi, gerbille, cours. Allez, plus vite, cache-toi sous les feuilles, tu seras à l'abri. Ah ouais, t'as raison, c'est une trop bonne cachette, les feuilles. Ils la trouveront jamais. Alors, les enfants, ça va? Mais vous pleurez? Non, c'est rien. Je crois que je suis allergique aux poils de gerbille. Ouais, mamie. Moi aussi. Moi, pareil.